Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, chers frères et sœurs. C'est votre frère, le Zoulou de Bogota. On va parler d'une situation qui est toujours celle du Niger. David Touré, salut à toi depuis ta position. Alexandra Oussou, salut à toi. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, et partagez le direct. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler d'un sujet important. J'aimerais que vous appelez ici les panafricains. Parce que, chers frères et sœurs, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais les gens ne parlent pas. Mais est-ce que vous avez fait la remarque que moi j'ai faite? Ma Sissé, salut à toi. Bama FC Milan, Toby Dosso, ma soeur, salut à toi depuis ta position. Chers frères et sœurs, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le Nigeria est de retour. Mais il y a une question que nous allons poser ici, aux putschistes. Ceux qui sont sortis à la télévision la dernière fois pour parler. Vous vous rappelez quand Ambalo était le président de la CEDEAO et qu'il y a eu le problème du Mali. Et qu'il y a eu le problème de la Guinée. Quand il parlait, vous n'avez pas vu les Assimi Goïta sortir pour parler. Vous n'avez pas vu les soi-disant colonels de l'armée malienne, des gouvernements parler. Vous n'avez pas vu les Choguel parler, s'attaquer au président Ouattara. Ils étaient en train de défier Ambalo, non? Mais est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Actuellement, où nous sommes là. Le président en exercice de la CEDEAO, là, c'est le président du Nigeria. Mais est-ce que vous voyez les panafricains insulter le président du Nigeria? De la manière dont on insultait le président Ouattara, là. De la manière dont ils prenaient le nom du président Ouattara pour l'insulter. Est-ce que vous les voyez parler? Est-ce que vous les entendez parler du président Nigeria, du Nigeria? Est-ce que vous avez entendu le gouvernement malien s'attaquer? Ils ont tourné autour du pot là. Le président du Nigeria a dit qu'il va attaquer. Est-ce que vous les avez vus sortir? Et puis parler du Nigeria. Chers frères et sœurs, je vais vous dire, les panafricains ne sont pas bêtes. Ils choisissent leur cible. Ils savent qui attaquer. Ils savent qui insulter. Ils insultent le président Ouattara parce qu'ils savent que le président Ouattara, c'est un homme de paix. Je vous dis et je vous répète, si Assimi Goïta sort, j'ai dit, si Assimi Goïta, un membre du gouvernement malien, se permet d'insulter, de s'attaquer, de défier le président nigérien, c'est moi, je vous dis. Je n'ai pas dit 48 heures. Je n'ai pas dit 24 heures. Dans les 2 heures de temps qui vont suivre là, les ressortissants maliens qui sont au Nigeria là, vous allez les retrouver dans des cas. C'est moi qui vous dis. J'ai dit, si l'État malien, les Assimi Goïta qui tapent leur poitrine, s'il y a un parmi eux qui se lève et puis s'attaquer au président du Nigeria, c'est moi qui vous dis, ça va pas. J'ai dit, ça va. Ils ne vont même pas appeler la CEDEAO. Ils ne vont même pas appeler la CEDEAO. Kémi Séba qui parle là. Kémi Séba qui parle. C'est moi, je vous dis. Kémi Séba ne va pas prendre le courage de s'attaquer au président du Nigeria. Il ne va pas prendre le courage parce que je vous dis, soit il va quitter le Bénin. C'est moi, je vous dis. J'ai dit, le Bénin qui est à côté du Nigeria, quand il y a un problème, je vous dis et je vous répète, ils n'ont qu'à s'amuser. Demandez à Assimi Goïta, demandez au porte-parole du gouvernement, là, celui qui allait taper sa poitrine à l'ONU, là. Quand Ambalo Sisoko était le président de la CEDEAO, là,
Ils étaient en train de gueuler. C'est sur le président Ouattara, ils savent parler. Tout le monde sait aujourd'hui là que le président en exercice de la CEDEAO, c'est le président du Nigeria. Ils n'ont qu'à sortir pour parler du président Nigeria. Parce que jusqu'à preuve du compte, la seule personne qui dit qu'ils vont attaquer là, même jusqu'à présent, ils sont allés déjà déposer les chats. C'est moi, je vous dis. Ils n'ont qu'à parler. Si c'était le président Ouattara qui était le président de la CEDEAO, il y a longtemps, ils ont commencé à l'insulter. Il y a longtemps, ils ont commencé à faire chose. J'ai dit, les panafricains, c'est nous parce qu'ils sont bêtes. Les soi-disant, nous sommes notre pays là. Nous sommes des États souverains là. Ils savent à qui parler. Mon frère Chang Le Dozo, ma très chère maman, Sita Traoré, j'ai dit, ils savent de qui parler. Lancez-les le défi. Le porte-parole du gouvernement là, ils n'ont pas dit qu'ils sont militaires. Qui vont les défendre? Si ça là, c'est le président Ouattara qui était le président de la CEDEAO. Et puis les réunions là se passaient en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps, les Assimi Goïta là sont sortis, ils ont tapé leur poitrine devant le président Ouattara. Parce qu'ils savent en âme et conscience que la Côte d'Ivoire ne va jamais se permettre. Ne va jamais se permettre de vouloir faire du mal au peuple burkinabé et malien. Ils le savent en âme et conscience. Selon le président de la CEDEAO aujourd'hui, là, tout le monde le connaît. La personne qui a dit que le colonel, là, le général qui a fait le coup d'État au Niger, là, il va partir. Là. Tout le monde sait c'est qui. Le premier président actuellement, il y a quelques semaines de cela, lors de son investiture, qui a dit clair et net que lui, en tant que président de la CEDEAO, il ne va plus jamais accepter qu'il ait un coup d'État. Tout le monde sait c'est qui. Mais posez la question aux soi-disant panafricains. Posez la question, pourquoi les Assimi Goïta ignorent le message? Pourquoi ils ignorent le message du président du Nigeria? Pourquoi aujourd'hui là, ils ne sortent pas pour défier le président du Nigeria? Je vous dis et je vous répète, à 14h00, Assimi Goïta sort et puis défie le président du Nigeria. J'ai dit à 14h00, à 14h05, à 14h05, les ressortissants nigériens et maliens qui sont au Nigeria là, ils vont commencer à appeler dans les directs des soi-disant panafricains là, pour dire qu'ils ont demandé à Assimi Goïta d'arrêter. Ahmed Daou le transiteur, salut à toi depuis ta position. J'ai dit, c'est sur le président Ouattara. Parce qu'ils savent que le président Ouattara n'est pas mauvais. C'est sur le président Ouattara, ils savent parler. C'est sur les Ambalo là, ils parlent. Ils n'ont qu'à parler sur Voda. Actuellement là, il y a les bataillons déjà qui sont à la frontière du Niger. Pourquoi ils ne parlent pas? Pourquoi ils font semblant d'ignorer? Pourquoi ils font semblant d'ignorer? Pourquoi ils font semblant d'ignorer? Ou bien c'est que le président du Nigeria a dit là, vous n'avez pas entendu. Les réunions qui se passent à la CEDEAO là, vous n'avez pas entendu. Mais quand il parle aujourd'hui là, il parle de la CEDEAO en gros. Non, non, non. C'est au Nigeria que c'est en train de se passer. De la même manière, vous avez dit à la Côte d'Ivoire hier là, on va envahir là, on va faire comme ça là. Ah, les Assimi Goïta là, ils n'ont qu'à envoyer leur porte-parole là. Et puis ils n'ont qu'à venir parler du président du Nigeria. C'est moi, je vous dis. J'ai dit le Bénin qui est collé, même Kémi Séba, il n'a qu'à s'asseoir au Bénin et puis il va s'attaquer à la population nigérienne. Il n'a qu'à s'asseoir au Bénin et puis il va s'attaquer à la population nigérienne. Et puis il n'a qu'à être informé que lui il est assis à Cotonou. Kémi Séba sait ce qui va arriver. Kémi Séba sait ce qui va arriver. Les panafricains, les activistes maliens, là, pourquoi vous ne demandez pas à Assimi Goïta de s'attaquer maintenant au Nigeria? Parce que hier, là, vous étiez en train de jouer les gros bras devant le président Ouattara. Parce que vous savez, dans la réalité, le Nigeria a déjà coupé courant au Niger. Ils ont déjà coupé courant.
C'est parce que hier, à la tête de la Côte d'Ivoire, il y avait un président qu'on appelle le président Ouattara. Voilà pourquoi vous vous êtes permis de vous attaquer au président Ouattara. Les Shogel Maïga, où ils sont aujourd'hui? Le colonel Aboulaye Maïga, où il est? Le soi-disant colonel qui tapait la poitrine, qui s'attaquait. Où sont votre armée là aujourd'hui? Défiez maintenant le Nigérien. C'est le Nigérien qui dirige aujourd'hui la CDAO. Hier, quand c'était en ballot là, vous êtes sorti, vous avez dit tout ce que vous voulez sur en ballot. Vous l'avez attaqué. Quand le président du Niger a parlé là, vous avez parlé. Parlez maintenant au président du Nigeria. Parlez maintenant au président du Nigeria. Parlez. Vous êtes des activistes, non, parlez. Vous n'avez pas dit que vous allez vous asseoir à l'ONU pour parler. Tu es parti t'asseoir à l'ONU la dernière fois que tu as parlé. Il faut sortir votre grande gueule que vous avez fait sur le président Ouattara. Là. Votre grande gueule que vous avez fait sur le président Ouattara. Là. Sortez, vous allez faire ça sur le président du Nigeria. Ça, là, il n'y a pas de débat dedans. On ne vous a rien demandé de grave. Hein. On vous a juste demandé de répéter ce que vous avez dit hier. Pourquoi vous avez peur de répéter? Non, pourquoi vous avez peur de répéter? Pourquoi vous avez peur de répéter? Ah, donc vous savez fermer la bouche. Ah, donc vous êtes capable de fermer votre gueule. Ah, donc vous savez qui a mis l'eau dans le coco. Ah, donc vous savez que c'est pas tout le monde en attaque. C'est le président Ouattara qui est un homme de paix, tout le monde sait. Le président Ouattara est un homme de paix. L'aigré Claude Jaurès, tu es d'accord avec ce que l'Afrique vit. Mon frère, si tu n'es pas d'accord avec ce que l'Afrique vit, là, il faut quitter l'Afrique. Oui, oui. Il faut quitter l'Afrique. Si tu n'es pas d'accord avec ce que l'Afrique vit, il faut quitter l'Afrique. Il n'y a pas deux possibilités. Si tu n'es pas d'accord avec ce que l'Afrique vit, là, il faut quitter l'Afrique. C'est vous qui êtes là toujours en train de parler. On vous dit, le Nigeria aujourd'hui dit, le général qui a fait le coup d'état là, il va partir. Le Nigeria dit, la date qui a été fixée là, c'est pas encore arrivé. Le président du Nigeria a déjà fait, c'est-à-dire la frontière du Nigeria, depuis le Niger là, les bataillons là, des choses sont déjà là-bas. Les soldats nigériens sont déjà aux portes du Niger. Ils attendent que le dernier jour, l'ultimatum qui a été donné là, arrive. Et puis on va voir ce que vous allez dire. Pourquoi vous ne traitez pas le président nigérien de vendu? Parce que vous-même, vous savez, en âme et conscience, j'ai dit, Assimi Goïta sort pour s'attaquer au président du Nigeria. Ils ne vont même pas dire l'ambassadeur du Mali n'a qu'à partir. C'est moi, je vous dis. Ils vont l'arrêter. Bon, hein? Eux ne sont pas dans plaisanterie, hein? C'est nous, on regarde la fraternité qui est entre nous. On dit le peuple malien et le peuple ivoirien, là, on est mélangé. Le peuple burkinabé et puis le peuple ivoirien, là, on est mélangé. On considère que nous sommes des frères. Mais vous profitez de ça. Et puis vous jouez les gros dos. Vous profitez de ça. Vous voulez montrer aux gens que vous êtes des gros bras. Vous profitez de ça. Et puis vous voulez taper votre patrie. Vous profitez de ça. Vous voulez humilier notre père. Vous profitez de ça, vous insultez notre président. Vous profitez de ça, vous le traitez de vendu. Aujourd'hui, là, la réalité est devant vous. Jusqu'à preuve du contraire, le président Ouattara n'a pas parlé. Hein. Le chef d'état-major de l'armée du Nigeria a dit que le temps qui a été donné, là, si les gars-là ne quittent pas, et puis il va vous dire qu'ils vont attaquer. Pourquoi vous ne sortez pas pour vous attaquer au chef d'état-major de l'armée du Nigeria? Pourquoi vous ne le traitez pas d'idiot? Pourquoi vous ne le traitez pas de bête? Le président du Nigeria, là, pourquoi vous ne le sortez pas pour l'insulter? Pourquoi vous ne sortez pas pour l'insulter? Anne Kessé, salut à toi ma soeur. Merci encore pour le combat que tu fais. Merci encore pour le combat que tu fais. Merci, merci, merci encore. Oui, merci. Pourquoi vous ne sortez pas pour vous attaquer au président du Nigeria? Ce n'est pas une histoire de Turu, hein? Ce n'est pas une histoire de Turu. J'ai dit, dites à Assimi Goïta,
sont Abulaye Maïga qui parle. Les Shogel Maïga qui parlaient là. Pourquoi ils ne parlent pas du Nigeria? Je vous dis, ce n'est pas amusement, ce n'est pas de la plaisanterie. Ça dit qu'aujourd'hui, là, un membre du gouvernement malien sort pour s'attaquer au chef d'état-major de l'armée du Nigeria. Ou bien s'attaquer au président du Nigeria. Ou bien traiter les Nigériens de plaisantins. Les Maliens qui sont au Nigeria vont lire l'heure. Les Maliens qui sont au Nigeria vont lire l'heure. Aïe! J'ai dit, ils vont lire l'heure. D'autres vont regretter leur résistance ici. Oui. Le Nigeria s'amuse pas. Qu'on ne fait pas frontière. J'ai dit, affaire de CDAO, là, ça va quitter dedans. Ils vont faire la sauce d'Assimi Goïta automatiquement. Oui. Ibrahim Traoré qui parle là, il n'a qu'à parler. Ça dit, les soldats du Nigeria là, vont rentrer à Bamako sans même que Assimi Goïta ne se rende compte. Et ils badinent pas. Eux ne sont pas dans plaisanterie. C'est le président Ouattara. Ça dit, tellement cet homme-là est un homme de paix. Tellement cet homme-là pardonne. Tout le monde chie. Tout le monde pisse sur lui. Ça dit, celui-même qui se lève le matin, il ne s'est pas encore brossé dans son palais présidentiel. Celui qui s'est levé le matin, il ne cherche même pas à aller d'abord dans son ministère pour régler le problème des citoyens de son pays. Et puis c'est le président Ouattara qui est son déjeuner sur sa table. Oui. C'est le président Ouattara qui est son déjeuner sur sa table. Même le gars se lève dans son palais présidentiel, il n'a pas encore fini de brosser ses dents. Il n'a pas encore fini de brosser ses dents. C'est Ouattara qui est dans sa bouche. Ouattara, son nom est quelque part haut. C'est Ouattara qui va parler. Imaginez-vous aujourd'hui si le président Ouattara était le président de la CEDEAO. Si le président Ouattara était le président de la CEDEAO. Adama. Mais vous allez voir ce que ceux-là vont montrer. Vous allez voir ce qu'ils allaient dire sur le président Ouattara. Vous allez voir ce qu'ils vont dire sur le président Ouattara. Bamba Sébastien Ousmane, salut à toi mon très cher frère depuis ta position. Hey, mais pourquoi vous ne parlez pas? Le président du Nigeria est en train de parler aujourd'hui. Le chef d'état-major du Nigeria a parlé. Il a dit, eux là, ils ne sont pas dans l'amusement. Depuis hier, le Nigeria a coupé courant sur le Niger. Pourquoi vous ne parlez pas? Non, pourquoi vous ne parlez pas? Parlez. Attaquez-vous au président du Nigeria. Insultez-le comme de la manière vous avez insulté le président. Vous êtes venu faire votre discours à deux balles. On va soutenir. Faut faire sortir discours Abulaye parce que tu es un garçon. Ce que nous on sait de toi là. Moi-même je te demande ça. Abulaye Maïga, colonel Abulaye Maïga, porte-parole du gouvernement malien. Ce que nous on sait de toi, c'est que quand tu veux parler de quelqu'un là, tu n'aimes pas. Non, tu ne tournes pas autour du pot. Parce que même quand tu es parti à l'ONU là, tu as parlé directement du président Ouattara. Non, pardon, il faut faire un discours. Tu vas t'attaquer au président du Nigeria. Non, il faut faire un discours. Tu dis que tu es colonel, non? Tu dis que tu es un état, vous êtes un état souverain, non? Parlez. Vous dites que vous êtes des défenseurs du Niger, non? Ça dit que vous n'avez pas encore fini de sécuriser la peau, votre propre population. Vous êtes incapable de protéger votre propre population. C'est vous qui avez problème de sécurité. C'est vous, vos policiers, qui n'ont même pas armes pour se défendre. Vos policiers qui n'ont pas armes. Toi, aujourd'hui, ça dit qu'une partie, ça dit les trois tiers du Mali, là, ça est dans la main des djihadistes. Et c'est toi qui dis que non, tu es prêt, tu vas envoyer tes soldats pour aller aider quelqu'un pour faire la guerre contre la CEDEAO. Sinon, le problème de Ambalo, là, quand le problème du Mali s'est passé ici, quand le président du Niger a parlé, Bazoum a parlé, vous êtes sorti automatiquement, vous avez répondu. Oui, mais
Le porte-parole du gouvernement est sorti directement pour s'adresser à Ambalo. Quand Ambalo Sissoko est sorti, vous êtes sorti directement. Le président Ouattara n'a rien dit même. Vous êtes sorti, vous l'avez allumé. Vous l'avez traité de tous les mots. Vous l'avez insulté comme vous voulez. Mais le président du Nigeria parle. Pourquoi vous ne parlez pas? L'armée du Nigeria aujourd'hui est à la frontière. Vous attendez quoi? Vous avez dit que vous allez partir aider le Mali, non? Et le Niger, non? Vous attendez quoi? Jusqu'à présent, on vous attend. Hein? On vous attend. On espère que vous allez sortir. Vous allez envoyer vos militaires pour aller affronter les militaires nigériens. Sortez. Ah, Timo Koulibaly, ça là, c'est pas un fait de rire. Hein? C'est une réalité. Non, on ne rit pas ici. C'est une réalité. On n'a qu'à les demander, on n'a qu'à parler. Mais on a si c'est où bien? Hein? Ah, mon frère, Tungara Ibrahim, j'ai dit Boda. Boda, lui, parle pas. J'ai dit Boda, lui, parle pas. Je vais vous dire quelque chose. Dans les années, au moment où il y avait problème d'Asek, Ashanti Kotoko, quand les frontières étaient fermées, une fois nous, on est parti au Nigeria. Il y a eu un petit problème entre le Bénin et puis le Nigeria. J'ai dit, le Nigeria n'a pas averti quelqu'un. Alors que entre les deux pays là, tu prends moto hein, pour rentrer au Nigeria. Hein. Les gens prennent moto pour aller au Nigeria. Ça dit que si tu n'as pas trouvé d'embouteillage, même c'est moi je vous dis, demandez. Ça dit que tu n'as pas trouvé d'embouteillage. Entre Cotonou et puis Lagos, si tu n'as pas trouvé d'embouteillage, ça dit que quand tu voyages la nuit, s'il n'y a pas les arrêts de police, tout ça là, ça ne vaut même pas 2 heures de temps. Ça dit Cotonou, pour quitter Cotonou, la capitale du Bénin, là, pour aller à la capitale du Nigeria, j'ai dit ça ne vaut même pas 2 heures de temps. Il y a eu un petit truc dans les années 95 ou bien 96. Nous, on est allé au Nigeria pour aller faire les achats. J'ai dit, on a fini de faire les achats. Et puis le soir, on annonce à la télévision du Nigeria que la frontière entre le Bénin et puis le Nigeria là, s'est fermée. On a fait près de 2 mois à Lagos. J'ai fait près de 2 mois à Lagos. Ils n'ont pas averti quelqu'un. Ils n'ont pas averti quelqu'un. Même les Béninois qui étaient sortis avec leur moto pour aller se promener au Nigeria, ils ne sont pas sortis. Ils ont fermé les frontières claires et nettes. Et puis quand ils ont fermé les frontières, ils sont venus déposer l'armée. Hier, on a demandé pardon. Tous les présidents de la CEDEAO, les gens sont intervenus jusqu'à près de 2 mois avant que le Nigeria n'ouvre les frontières. Ils ne sont pas dans l'amusement. Hein. Le Nigeria n'est pas dans plaisanterie. Même les Camerounais qui parlent beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux, demandez-les ce qu'on appelle Nigeria. Quand ils font leur print sur les Nigériens, là, demandez-les qu'est-ce qu'on leur montre. Demandez-les, posez-leur la question, qu'est-ce qu'on leur montre. On vous demande aujourd'hui de sortir pour attaquer le président de la CEDEAO, vous ne faites pas. Sinon, Ambalo était devenu cuidant dans votre bouche hier. Ambalo, il était devenu cuidant. On a vu les membres de vos gouvernements. Oui, on va venir répondre à Ambalo. Ils n'ont qu'à se dire, le Mali est un pays souverain. Le Mali est un pays comme ça. Vous êtes sorti, vous dites que si on a touché le Niger, là, vous allez sortir. Le président de la CEDEAO a déjà envoyé des bataillons à la frontière du Niger et du Nigeria. Les militaires nigériens sont prêts. Ça dit qu'ils n'attendent même pas l'ultimatum qu'ils ont donné là. La date qu'on leur a donnée là. On dit, si la date là arrive, qui ne quitte pas, on va leur montrer qui a mis l'eau dans le coco. On va leur montrer qui a mis l'eau dans le coco. Maintenant, pourquoi les défenseurs ne parlent plus? Pourquoi les défenseurs ne parlent plus? J'ai dit, je mets les autorités maliennes au défi. Le porte-parole du gouvernement malien, là, le soi-disant colonel Aboulaye, le colonel Maïga, il faut sortir et puis tu vas venir t'attaquer. C'est-à-dire de la manière que tu as lancé les défis à Ambalo, là, de la même manière que tu as lancé les défis hier au président Ouattara, de la même manière que tu as pensé que toi et le président Ouattara, vous vous asseyez dans la même assiette, sur la même table pour manger, là. Il faut parler au président du Nigeria comme ça. Et puis on va voir la suite. Aujourd'hui, là, les vrais militaires, là, comme tu as dit que chez nous, il n'y a pas de militaire. Chez nous, là, tu as dit qu'il n'y a pas de militaire. Mais aujourd'hui, là, les gens du Nigeria, là, sont là. C'est moi, je vous dis. Ça dit que même l'ambassadeur du Nigeria,
Pardon, l'ambassadeur du Mali qui est au Nigeria, là. Il va dire à Assimi Goïta. Nathie, il qui irait procéder. Moi, là, ne parlez même pas d'eux. Parce que si vous vous êtes trompé dans un discours pour vous attaquer aux autorités du Nigeria, si vous vous êtes trompé pour vous attaquer aux autorités du Nigeria, c'est moi, je vais vous dire. Au moment où vous allez vous rendre compte, à Lagos, là, peut-être ils ont déjà tué 10 Maliens. À Lagos, peut-être ils ont déjà tué 10 Maliens. Parce que je vais vous dire, les 90%, vous savez, quand tu vas au Nigeria, beaucoup de nos parents qui vont au Nigeria, ils ont besoin de coxeurs. Ouais, c'est comme ça on les appelle. Les coxeurs pour les accompagner, pour faire les achats, les trucs comme ça. Les 99,99% des coxeurs au Nigeria sont à Lagos, sont des Maliens. Les 99,99% des coxeurs au Nigeria, à Lagos, ceux qui accompagnent nos parents commerçants ivoiriens, togolais, comment on appelle, maliens, burkinabés, ivoiriens, pour aller faire les achats là, chez les commerçants là. C'est les Maliens. C'est les Maliens. Donc, je vais vous dire, erreur, vous n'allez plus jamais reprendre ça dans votre vie. Erreur de vous attaquer au président du Nigeria. Vous allez manger votre totem. J'ai dit, il y a des Maliens qui vont manger caca dans les rues de Lagos. Faites. Vous n'avez pas dit que vous êtes garçon. Le président Ouattara aujourd'hui là n'est pas le président de la CEDEAO. Depuis que l'affaire là-même a commencé, le président Ouattara ne parle pas. Il va, il participe aux réunions. Il n'a pas encore fait de discours. Mais celui qui lance le discours, celui qui dit que ceux qui ont fait le coup d'état du Niger, là, ils vont partir. Celui qui est venu à la tête du Nigeria et puis il a dit que lui, en tant que président de la CEDEAO, il ne va jamais permettre à des militaires de s'asseoir. Ah, vous avez dit que nous, là, si nous on a commencé, en 24 heures, vous allez arriver à Boaké. Après même, dans 48 heures, là, vous allez arriver à Abidjan. Vous allez prendre tout la Côte d'Ivoire même, on a compris. Nous, on n'est pas fort. Vous êtes trop fort. Mais maintenant, voilà, garçon. Oui. Voilà, garçon, maintenant qui parle. Vous êtes sorti la dernière fois, vous avez dit au peuple du Niger, vous avez dit au général, dites au général que oui, le président du Nigeria qui parle, il ne nous connaît pas. Il n'a qu'à venir t'attaquer. Sur les Zondéas, ouais, les bataillons, hein, les bataillons sont déjà là, à la frontière. Les bataillons de l'armée ivoirienne, comment on appelle, du Nigeria, là, ils sont déjà à la frontière. Oui. Vous êtes garçon, sortez, vous allez parler. Ah! Ah! Jean Doumbia, toi, tu vas venir moi me dire que moi, je souhaite une guerre sur le sol nigérien. Toi, tu vas venir moi me dire ça. Ah, hier, là, quand le président, quand le porte-parole du gouvernement malien, là, Abdoulaye Maïga, est sorti, et puis dit que lui parle au nom du président du Burkina Faso et du Mali, là, et qu'il défie la CEDEAO. Mais vous défiez la CEDEAO, mais qui dirige la CEDEAO actuellement? Celui qui dirige la CEDEAO, là, c'est Boda. C'est Boda qui dirige actuellement. Parlez. Parlez. Parce que cette fois-ci, là, tu ne pouvais pas dire le nom du président Ouattara. En ballon Sissoko, là, tu ne pouvais pas dire son nom. Tout le monde sait aujourd'hui là que c'est lui qui dirige là. Il s'appelle Boda. Tchang le dozo. C'est Boda qui dirige. C'est Boda qui est là. Il n'a pas fait des choses dedans. Ça dit tellement ils vont vous allumer. Assimi Goïta même va laisser le pouvoir. Faites erreur. Et puis je dis, je lance un défi dans cette histoire. Même si le Mali s'est trompé pour envoyer seulement 2 soldats. Même si se sont trompés seulement pour envoyer 2 soldats. Assimi Goïta sait ce qui est derrière. Parce que ceux qui arrivent là, ils ne parlent pas français. Ils ne parlent pas du là. Hein. C'est pas peu, on va les parler. Hein. Ils ne parlent pas peu. Hein. Les soldats du Nigeria là, ils ne parlent pas peu. Ils ne boivent pas l'air. Et c'est Kokobara. Oui, oui.
Et puis c'est moule. Voilà. Eux là, c'est ça. Vous vous jouez les gangaba. Le président Ouattara est là. Il vous prouve tout l'amour qu'il a pour vous. Même quand Bazoum est sorti pour dire ce que le peuple du Mali est en train de faire, ce que les dirigeants du Mali sont en train de faire, ce n'est pas bon. Que parce que la personne même hier qui était en train de vous défendre, pour les sanctions qu'on était en train de mettre contre vous, c'était bel et bien le président Ouattara. Et que aujourd'hui, le comportement que vous avez vis-à-vis de cette personne, ce n'est pas normal. Ambalo est sorti ici et puis dit que le président Ouattara n'est pas seulement le président de la République. Il dit c'est vrai, il est président de son pays. Le président Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire. Mais qu'entre lui et puis le président là, ce n'est pas une histoire de collègues. Que ce n'est pas une histoire de collègues. Mais que c'est une relation de père et de fils. Que parce que le président Ouattara est son fils, est son père. C'est ce qu'il a dit. Pendant ce temps, des plaisantins, des petits militaires, des gens qui ont refusé l'être, des gens indignes, qui sont incapables d'assumer les fonctions pour lesquelles ils ont juré. Parce qu'on ne donne pas le tri à n'importe qui. Dans n'importe quel pays, on ne donne pas le tri à n'importe qui. Avant qu'on ne te donne le tri, hein? Les bataillons là, les bataillons sont là-bas. Allez-y. Vous, depuis combien d'années vous êtes en train de combattre? Qui? Depuis combien d'années? Depuis 2012. C'est vous qui continuez de crier. On n'a pas de sécurité, on n'a pas de sécurité. Boko Haram a tenté au Nigeria. Tout le monde sait comment ça s'est passé. Ils ont fait des victimes. Est-ce qu'aujourd'hui au Nigeria on parle de Boko Haram encore? Mais c'était là-bas leur base. Est-ce qu'on parle aujourd'hui de Boko Haram? On ne parle pas d'eux. Mais vous avez vu ce qu'ils ont montré à certains gars de Boko Haram. Amusez-vous. Hier là, vous vous êtes levé, vous avez insulté le président Ouattara. Levez-vous, vous allez attaquer le président du Nigeria. Attaquer le président du Nigeria. Est-ce que ce que je vous ai dit là, c'est mauvais? C'est un conseil que je vous ai donné. Donc vous voyez, ça dit des gens. C'est ce que je vous ai dit hier. Les gens pensent qu'aujourd'hui, certaines populations ignorantes du Niger pensent que le Mali et le Burkina, là, les deux capitaines, là, je ne parle pas de la population parce que ce n'est pas la population. Parce que je le sais, en âme et conscience, le vrai Burkinabé se pose la question pour dire, mais attends, Ibrahima Traoré, toi tu es dans quoi? Nous on a des villages, des campements qui sont attaqués matin, midi et soir. Vous n'êtes pas capable d'assurer la sécurité des villages. Vous n'êtes pas capable d'assurer nos sécurités au Burkina ici. Les gens nous attaquent matin, midi et soir. Et c'est vous aujourd'hui qui pensez que vous allez partir aider un autre pays où il y a eu un coup d'état parce que ce dernier est militaire comme vous. Mais de vous à moi, est-ce que le coup d'état qui a été fait au Niger, si c'est un civil qui avait fait le coup d'état, vous êtes sûr que Assimi Goïta et puis Ibrahima Traoré, ils allaient dire qu'ils allaient partir aider? Non, de vous à moi. De vous à moi, si le coup d'état qui a été fait au Niger, si c'était des civils, croyez-vous vraiment que les deux allaient faire une déclaration pour dire qu'ils vont les aider? Ils ne vont pas les aider pour autre chose. Parce qu'ils sont des militaires. Parce qu'ils sont militaires entre eux. Parce que selon eux, ils le font parce que c'est leurs collègues. Mais, collègues dans quoi? C'est les vauriens qui deviennent collègues? C'est les faiseurs de coups d'État qui deviennent collègues? Quand vous avez mis dans votre DNA, quand vous pensez que ce qui vous intéresse, c'est de faire le coup d'État. Mais c'est tout à fait normal. Et l'autre soutien qui est en Côte d'Ivoire, qui n'a pas encore parlé, mais qui est sorti, depuis qu'il y a eu le coup d'État du Niger, parce qu'il s'est dit maintenant que le Burkina est là. Il y a eu coup d'État là-bas. La Guinée, il y a coup d'État. C'est les militaires qui sont là-bas. Le Mali, et puis aujourd'hui le Niger, le FIA de 2020, celui qui a dit qu'il allait faire asseoir le président Ouattara pour lui donner conseil, bizarrement, il sort sa tête. Il fait maintenant les postes sur Twitter. Regardez bien, c'est à chaque fois qu'il y a les coups d'État que lui il sort sa tête. Ça devient un espoir.
Mais l'espoir qu'on lui a dit, le défi qu'on lui a lancé depuis des semaines, on lui a dit, moi, Zulu de Bogota, je lui ai dit, ça ne sert plus à rien que tu te caches, t'assois dans les chaises et puis fais les vidéos. Ce que nous, les Ivoiriens, nous voulons voir, on veut te voir en train de marcher. En train de marcher et de parler. Voilà, ouais, les Zoulous de Bogota disent que je suis assis sur une chaise, mais voilà ici, je suis en train de jouer au basket. Non, on est fatigué que tu t'assieds dans les chaises avec les haut-parleurs en train de faire des posts sur Twitter. Tu ne nous as pas habitués à ça. Tu nous as habitués à nous montrer que toi, tu es un garçon. Tu es en train de marcher, puis tu es en train de faire direct. Il faut faire, on va voir. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Mais le dimanche n'est pas loin. Dans quelques jours, l'ultimatum prendra fin. Et puis on va voir ce qui va se passer. La vérité que vous ne savez pas aujourd'hui, là, j'attends qu'on me donne les dernières informations cet après-midi. Le général, qui a envoyé son vice aller voir Assimi Goïta, il n'y a pas de palabre dedans. Hein. Le gars même aujourd'hui, là, il veut partir. Il cherche une occasion pour sortir. Parce qu'il se dit que si on les attaque, il n'y a rien à faire. Parce que ce que je vais vous dire, ce que vous ne savez pas, la France a été claire. Hein. C'est là que le Malien et les Burkinabés doivent se poser la question de savoir. Posez-vous la question. Parce que c'est ce que je vous dis toujours. Hein. Venez taper sa poitrine devant les gens. Et puis dans la réalité, ce qui est caché. Vous avez dit hier que les Français n'ont qu'à quitter le Mali. Ils sont sortis. Au Burkina, vous êtes allé faire chose, ils sont partis. Les Nigériens disent que les Français doivent partir, les Français disent qu'ils ne vont pas. Pourquoi toi, le Burkinabé, tu ne te poses pas la question de savoir? Pourquoi quand on les a chassés, ils sont partis? Pourquoi toi, le Malien, tu ne te poses pas la question de savoir? Quand on leur a dit de partir, ils sont partis. Mais pourquoi au Niger, là, les gens leur disent, les populations disent de partir, ils disent qu'ils ne vont pas? Est-ce que vous vous posez la question? Ça veut dire que dans la réalité, là, ils savent que l'homme qui est en train de diriger, là, il est faible. Et puis, deuxièmement, ce que toi, tu dois comprendre par là, c'est de te dire, c'est de te mettre dans la tête que dans la réalité, là, vous n'avez rien. Parce que vous voulez faire croire aux gens que les Français étaient là-bas en train de voler. Mais vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Quand tu as marié une femme, et puis elle te dit, chérie, je vais ramasser mes bagages pour partir. Je ne t'aime plus. Mais si toi, tu l'aimes là, tu vas éteindre la lumière, tu vas faire le voisin d'à côté, ne va pas attendre. Tu vas te mettre à genoux. Oui, tu vas te mettre à genoux. Tu vas te coucher sur ton ventre. Parce que tu sais que tu as tes intérêts en elle. L'amour que tu as pour elle, là, c'est tes intérêts. Mais quand on vous demande de sortir d'un pays et puis vous sortez, vous-même, vous devez vous poser la question de savoir. Mais et puis ce que vous devez comprendre, le Nigeria n'est pas dans la même position. Le Niger n'est pas dans la même position que vous. Hein. Même les Américains ont dit au général, il n'a qu'à quitter. Les Américains lui ont dit, il n'a qu'à quitter. Maintenant, le vrai problème, c'est quoi? Il faut qu'il cherche un point aujourd'hui là. Le vrai problème là, une porte de sortie là, c'est ce qu'il lui cherche. Excusez-moi. Hein. Voilà. Toi, on va te bannir. Comme toi, tu es venu ici pour mettre les têtes des morts, on va te bannir. Voilà. Il faut écouter le direct. Si tu veux mettre les commentaires, tu mets les commentaires. Mais toi, tu ne peux plus rien faire. C'est ça. Celui qui dirige aujourd'hui le Niger, il sait en âme et conscience ce qu'il attend. Chers frères et sœurs, jusqu'à preuve du contraire, est-ce que vous posez la question de savoir? Ça dit que eux, ils ont arrêté Bazoum. Ils ont arrêté Bazoum. Mais jusqu'à preuve du contraire, Bazoum n'a pas encore fait une déclaration pour dire qu'il a démissionné. Jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre? Jusqu'à preuve du contraire, Bazoum n'a pas encore fait de déclaration pour dire que lui, il est parti et qu'il n'est plus le président. À part le ministre du pétrole qu'ils ont arrêté, les autres ministres qui étaient à Niamey, ils ont arrêté combien? Parce qu'on les a garants. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui arrive à un cheveu d'un ministre, d'un DG,
au Niger, vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Jusqu'à preuve du contraire, Bazoum n'a pas encore donné sa démission. Alpha Condé, on se rappelle, il a donné sa démission. Pourquoi jusqu'à preuve du contraire, Bazoum n'a pas encore donné sa démission? Et jusqu'à preuve du contraire, les autorités, ceux qui dirigent aujourd'hui le Niger, les putschistes, les militaires bandits, les militaires voyous, les militaires vauriens, ne disent rien. Parce qu'ils connaissent la vérité. Parce qu'ils connaissent la vérité. Ils savent ce qu'on leur a dit. Sinon, ils n'ont qu'à faire sortir une déclaration. Ils n'ont qu'à faire sortir où Bazoum a donné une démission. Eux sont les militaires. On n'a pas encore intervenu. Mais jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore eu de choses. Il n'y a pas encore eu de démission. Ils n'ont pas fait sortir. Eux-mêmes qui sont assis là, pourquoi jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas encore formé leur gouvernement? Pourquoi ils n'ont pas encore formé un gouvernement? Ils n'ont pas formé le gouvernement. Pourquoi jusqu'à preuve du contraire, ceux qui se disent qu'ils ont pris la tête du pays là aujourd'hui, au Niger là, pourquoi jusqu'à preuve du contraire, le général là n'a pas encore nommé le nouveau premier ministre? Pourquoi il n'a pas encore nommé le nouveau premier ministre? Il n'a qu'à nommer le nouveau premier ministre. Moi, je vous ai dit, hein, le président Ouattara, c'est un enfant béni. Mais je vais vous dire quelque chose. On dit le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Je le dis, nous les militants du RHDP, nous les Ivoiriens, que Dieu donne longue vie au président Ouattara. Mais si le président Ouattara n'est pas là demain, ça dit que nous, là, parce que nous, on sait que, on sait ce qu'il a fait pour nous. Tout ce que nous, on pourra faire là, c'est de prier pour lui, pour dire non, que son âme repose en paix. Mais les autres pays qui sont autour de nous, ceux qui se sont attaqués à lui, c'est là qu'ils vont commencer à lire l'heure. C'est là qu'ils vont commencer à se poser la question de savoir pourquoi on a fait du mal à ce monsieur. Alors que ce monsieur était notre sauveur. Le général est en train de négocier pour sa sécurité. Chers frères et sœurs, c'est moi qui vous dis. Le général aujourd'hui, là, il négocie pour sa sécurité. Il négocie pour sa sécurité. Il n'y a pas courant. Vous ne pouvez plus sortir. Il va sortir comment du Niger? Il va sortir comment du Niger? C'est de ça qu'il choisit. Chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota, depuis sa position. Je vous remercie. Partagez le direct et mettez les cœurs. 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 Chers frères et sœurs, on est ensemble. On va revenir. Ce soir, je vous donne rendez-vous ce soir. On va parler du décès du président Henri Konan Bédié. Et puis on va parler de comment le président Ouattara est un grand homme. Je vois des plaisantins, ceux qui s'asseyent et qui insultent. Mon frère, toi qui considères que le président Ouattara, toi qui insultes aujourd'hui le président Ouattara d'être la cause de la mort du président Henri Konan Bédié, toi qui souhaites qu'il meure, je vais te dire quelque chose. La famille d'Henri Konan Bédié, la famille biologique du président Henri Konan Bédié, la femme même du président Henri Konan Bédié, le président Ouattara rentre aujourd'hui, il va s'asseoir à côté de la femme d'Henri Konan Bédié. Et puis il peut lui parler directement. Mais ce que je vais te dire, toi ton père qui t'a mis au monde, malgré que tu considères que tu dois insulter, que tu traites, toi ton père qui est vivant, ton père n'aura jamais l'occasion d'aller saluer la femme de Bédié dans sa main. Oui. Oui. Jamais. Il n'aura jamais cette occasion. Donc il faut te mettre ça dans la tête. Donc chers frères et sœurs, je vous remercie, que Dieu veille sur vous et que Dieu vous remet, Dieu vous protège. On se donne rendez-vous ce soir. On va revenir sur le nouveau direct en parlant de la mort du président Henri Konan Bédié. Et dire merci encore au président Ouattara pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Merci et bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous.